autre thème de ce jour, c'est couteau à double tranchant. Couteau à double tranchant. Tel est le thème choisi pour notre méditation de ce jour. Cette locution nominale nous renvoie à toute arme, à tout moyen, à tout argument qui a un bénéfice certes, mais aussi un risque qui peut se retourner contre celui qui l'emploie. À la lumière des textes de ce jour, le couteau tranchant, le couteau à double tranchant, c'est la femme. Regarde la femme qui est à côté de toi, dis-lui, couteau à double tranchant. Couteau à double tranchant. La femme qui est à côté de toi est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire qu'elle a certes des bénéfices qu'elle peut t'apporter, mais aussi il y a un risque qui peut se retourner contre toi qui vit avec elle. Dans la première lecture, vous avez vu, la femme va créer des problèmes à Salomon. Quand Salomon fut vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut plus tout entier à Yahweh, son Dieu, comme avait été celui de son père David. Donc, ce sont les femmes qui ont détourné le cœur de Salomon. Ça, c'est la première lecture. Dans la deuxième lecture, c'est une femme qui sauve sa fille d'un esprit impur. Cette femme-là avait une fille et ne l'avait pas eue seule. Elle l'avait eue avec un homme. Mais l'homme-là, on ne le voit pas. On voit seulement la femme qui se bat. Que ma fille soit guérie, que ma fille soit délivrée. L'homme est où? Où est parti l'homme? C'est ça, nous disons, première lecture, femme, la femme joue un mauvais rôle en détournant le cœur de Salomon. Deuxième lecture, la femme joue un bon rôle en sauvant sa fille, en contribuant beaucoup à la libération, à la délivrance de sa fille. Couteau à double tranchant. On pourrait dire autant de l'homme. L'homme aussi est un couteau à double tranchant. Mais les lectures d'aujourd'hui nous poussent à parler de la femme parce que dans la première lecture, d'ailleurs nous fêtons aujourd'hui Sainte Scolastique, et puis dans la première lecture, les femmes détournent le cœur de Salomon. Dans la deuxième lecture, la femme sauve sa petite fille qui était habité par un esprit impur. Amen. Donc on peut dire autant, un autre jour on pourra dire l'homme, couteau à double tranchant, mais aujourd'hui on parle de la femme. Courage. Dis à la maman qui est à côté de toi, courage, couteau à double tranchant. Alors j'ai trois parties. Dans la première partie, je parle de la femme qui perd. La femme qui perd. Deuxième partie, la femme qui sauve. Et la troisième partie, l'homme prudent voit le mal de loin. La femme qui perd, ça c'est la première lecture. La première lecture de ce jour nous parle de la fin malheureuse de Salomon en ces termes. Quand Salomon fut vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut plus tout entier à Yahweh son Dieu comme avait été celui de son père David. 1 Roi 11:4. On comprend dès lors pourquoi cet homme sage se pose cette question de taille. Qui peut trouver une femme vertueuse? Proverbe 31:10, il se pose la question. La femme vertueuse, qui peut la trouver? C'est normal, lui qui a eu beaucoup de femmes et les femmes l'ont perdue. C'est normal qu'il se pose la question, la femme vertueuse se trouve où? La réponse à cette épineuse question se laisse deviner. La femme des valeurs, la femme vertueuse, la femme vaillante, la femme qui enrichit son mari au lieu de lui coûter est une perle rare. C'est un oiseau rare que recherchent Dieu et les hommes. Et Dieu et les hommes cherchent cette perle rare, la femme vertueuse, la femme vaillante, la femme qui sauve. Un oiseau rare est un oiseau dont la présence dans une zone géographique donnée est inhabituelle. Vous êtes dans une zone géographique, on dit, tel oiseau est rare dans cette zone-là. C'est ça l'oiseau rare. On ne le voit pas. On le voit. C'est lui qui pose la question sur la possibilité de rencontrer la femme vaillante. C'est le sage Salomon qui dira dans le même livre des Proverbes, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe 18:22. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Vous pouvez trouver une fille. Vous pouvez trouver une enfant.
Vous pouvez trouver une enfant, une fille. Ce n'est pas le bonheur. Une fille et une enfant, ça signifie l'immaturité. Vous rencontrez une femme immature. Une femme qui ne comprend pas les vrais enjeux, qui est incapable de sauver votre honneur, qui est incapable de souffrir pour votre honneur. Les femmes comme ça sont rares. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc les jeunes gens, vous qui êtes là, quand vous priez, demandez à Dieu de vous accorder cette grâce, de trouver une bonne femme. Ce n'est pas évident. Ne pensez pas que tous ceux qui se sont mariés ont trouvé le bonheur à travers leur femme. Beaucoup de maris sont en train de supporter des choses insupportables. Contre mauvaise fortune, ils essayent de faire bon cœur. Ils essayent de se montrer vaillants alors qu'ils sont dans le malheur. Ils sont dans le pétrin. Beaucoup d'hommes que vous voyez ici sont dans le pétrin. Ils ne mangent pas tant. On ne nettoie pas leurs habits. Et même quand on les a nettoyés, on ne les repasse pas. Regarde le papa qui est à côté de toi, il a porté une chemise non repassée à cause de la mauvaise femme qu'il a épousée. Le papa que vous voyez aussi à côté de vous là n'a pas bien mangé à cause de la mauvaise femme qu'il a épousée. Mais ce matin, il se lève, il fait semblant, il fait penser qu'il est heureux alors qu'il s'est plaint. Si c'était à refaire, beaucoup d'hommes n'épouseraient plus leur femme. Amen. Demandez au papa qui est à côté de vous, et si c'était à refaire? Et si c'était à refaire? Tu épouserais toujours la même femme 10 fois, 20 fois, si c'était à refaire. Même la maman elle-même sait que si c'était à refaire, cet homme ne m'épouserait pas. Il y a des mamans qui savent pas. Si c'était à refaire. Parce que tout le temps, il se plaint. Mais les mamans aussi peuvent dire ça aussi, si c'était à refaire. Elles choisiraient peut-être d'autres hommes. Même si tu choisis l'autre homme là, il va souffrir. Donc tu choisis seulement une autre victime, si c'était à refaire. Qui trouve une femme, trouve. Est-ce que tu as trouvé le bonheur en te mariant? Les papas qui sont mariés, est-ce que tu as trouvé vraiment le bonheur? J'ai dit ici, une femme qui enrichit son mari au lieu de lui coûter. Beaucoup de femmes coûtent à leur mari, n'enrichissent pas leur mari. Elle est à la maison là et elle vous mange. Sérieusement, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Ton papa peut te laisser de l'argent, ton papa peut te laisser une maison. Mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Un texte très important, Proverbe 19, 14. Ça, les gens disent ça. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Non, il faut aussi dire. Hein. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Une femme intelligente. Une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Proverbe 12, 4. Une femme vertueuse, une femme qui fait le bien, qui est calme, qui sait se taire, qui est serviable, qui prépare à temps, qui vient à la messe à temps, qui donne à son mari la paix, qui n'est pas trop jalouse, une telle femme est la couronne, la gloire de son mari. Mais la femme qui fait honte à son mari est comme une carie dans ses os. Est-ce que les femmes lisent ces textes? Quand vous lisez ces textes, vous dites, ah, donc j'ai un grand défi à relever. Moi, je dois être une femme intelligente. Moi, je dois être une femme vertueuse. Je dois être la couronne de mon mari. Je ne dois pas lui faire honte. Dans le livre de l'Ecclésiaste, le même Salomon, roi polygame, aux 700 femmes et aux 300 concubines, avoue sa déception. Et j'ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Il dit que la femme est un piège, la femme est un filet. Et c'est vrai, quand vous regardez bien la femme, quand vous vous mariez là, vous verrez que vous êtes venu avec la bonne foi, non c'est ma femme, mais elle vient avec des pièges. Comment faire pour avoir cet homme? Comment faire pour mettre dans ma poche? Et si vous n'êtes pas prudent,
on vous met dans la poche. Et vous êtes déjà dans la poche. N'importe quelle blessure, sauf une blessure du cœur, n'importe quelle méchanceté, sauf la méchanceté d'une femme, n'importe quelle affliction, sauf l'affliction causée par la haine, n'importe quelle vengeance, sauf la vengeance des ennemis. Il n'est pire venin que venin des serpents, ni colère pire qu'une colère de femme. J'aimerais mieux habiter avec un lion ou un dragon que d'habiter avec une femme mauvaise. Pas que d'habiter avec une femme mauvaise. Ce que je dis ici, c'est par rapport à la femme mauvaise. Si toi, tu es une femme vertueuse, ton mari n'a pas à faire tout ça. Le mari fait ça avec une femme mauvaise. La méchanceté d'une femme transforme son aspect et son visage assombri lui donne l'air d'un ours. Regarde ta femme, quand elle se fâche, elle devient comme quel animal. Son mari prend place au milieu de ses voisins et malgré lui, gémit amèrement. Le mari gémit. Beaucoup de maris gémissent. J'ai mis amèrement. Toute malice est peu de choses près de la malice d'une femme. Que le sort du pécheur lui échoit. Une montée de sable sous les pieds d'un vieil homme, telle est la femme bavarde pour un homme tranquille. Ne te laisse pas entraîner par la beauté d'une femme et garde-toi de convoiter une femme. Ne te laisse pas entraîner par la beauté d'une femme et garde-toi de convoiter une femme. Ne te laisse pas entraîner par la beauté d'une femme et garde-toi de convoiter une femme. Sirakide 25, 13 à 21. En croit Salomon, la femme bonheur est une perle rare, un oiseau rare. Et nous pouvons croire ce roi polygame, car il parle d'expérience, lui qui a été perdu par ses nombreuses femmes. En effet, sur la fin de sa vie, la Bible note, le roi Salomon aimant beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites, de ce peuple dont Yahweh avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez eux et ils ne viendront pas chez vous. Sûrement, ils détourneraient vos cœurs vers leur Dieu. Mais Salomon s'attacha à elle par amour. Par amour. Mais lui s'est attaché à elle par amour. Mais elle en a profité pour le perdre. Il eut 700 épouses de rang princier et 300 concubines. Quand Salomon fut vieux, ses femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut plus tout entier à Yahweh son Dieu comme avait été celui de son père David. Ça, une bonne femme doit t'amener chez Dieu. Une bonne femme doit t'aider à prier. Doit t'aider à prier. Et j'ai vu l'enseignement, j'ai entendu l'enseignement de la femme de Dalo, le pasteur Dalo. Parce qu'elle a un ministère à côté de son mari. Elle dit, nous les femmes des pasteurs, nous n'aidons pas nos maris. Et c'est vrai, elle dit, vous verrez à l'église la femme du pasteur qui boude. Quand son mari dit, aimons-nous. Quel amour. Parce que toi, tu m'aimes. Ces femmes détournèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut plus tout entier à Yahweh son Dieu, comme avait été celui de son père David. Salomon suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abomination des Ammonites. Il fit ce qui déplaît à Yahweh, et il ne lui obéit pas parfaitement comme son père David. Vous comprenez? David a pris la femme d'autrui, il a tué le mari d'autrui. Mais la Bible dit qu'il obéit parfaitement à Dieu. C'était un accident de parcours. C'est arrivé dans sa vie. Mais Dieu dit, David avait obéi parfaitement à Dieu. Parce qu'il n'est pas sorti. Il ne s'est pas éloigné de Dieu. Il a commis des erreurs, mais il est resté en Dieu. Il est resté en Dieu. Il a pris la femme d'autrui, mais il est resté en Dieu. Il a tué l'homme d'autrui, il est resté en Dieu. Il obéit parfaitement. S'il avait obéi parfaitement, oui. Parce qu'il est resté en Dieu. À la lumière de cette expérience malheureuse de Salomon, retenons ces 5 leçons. Première leçon, les femmes ont perdu le sage Salomon. Que ne feront-elles pas avec le sceau que nous sommes? Donc sois prudente avec les femmes. Parce qu'elles ont perdu le roi Salomon. Sois prudente avec les femmes. Elles ont perdu le roi Salomon, le sage Salomon. Si le sage Salomon a été perdu par les femmes, que dire de toi et moi qui sommes des idiots, des sceaux, des imbéciles? Tu as écrit combien de livres de proverbes? Tu as écrit combien de livres de sagesse? Qu'est-ce que toi tu as fait? Tu as construit quel temple? Le monsieur qui a construit le temple de Dieu, Salomon, a été perdu par les femmes. Et toi, sois prudent. Lui-même le dit. Ses conseils sont des bienvenus. Parole de Lemuel, roi de Massa, que sa mère lui a pris. Quoi, mon fils? Quoi, fils de mes entrailles? Quoi, fils de mes voeux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes, ni tes voix à celles qui perdent les rois.
les femmes perdent les rois. Proverbe 31, 1 à 3. C'est elle qui dirige en réalité, quand vous voyez. Comme j'ai dit là, une femme qui te pousse à ne pas parler avec tes amis d'enfance. Mais si ton ami d'enfance là est béni, c'est elle la directrice dans telle et telle autre entreprise. Maintenant que je ne parle pas avec elle parce que ma femme est jalouse, je mourrai chômeur. Ne livre pas ta vigueur aux femmes, ni tes voix à celles qui perdent les rois. Tu veux faire quelque chose, tu dis tout à la femme, je vais faire ceci. Non, ne livre pas tes voix à celles qui perdent les rois. Proverbe 31, 1 à 3. La polygamie est parfois une recherche désespérée de la femme de valeur. Donc ne condamnons pas trop vite les polygames. La polygamie, c'est un péché. Mais les polygames nous disent parfois, donc une lecture positive de la polygamie, ce n'est pas pour encourager, mais pour dire, voilà, pour les comprendre que les polygames sont parfois, comme Salomon, était à la recherche de la femme vertueuse. C'est comme ça qu'il a cherché. En épousant, il a cru qu'en épousant plusieurs femmes, il trouverait parmi elles une vertueuse. Donc que les femmes ne soient pas pressées à condamner l'infidélité de leur mari. Hein. Oui, ils sont infidèles, c'est mauvais, c'est condamnable, c'est un péché. Mais peut-être que l'infidélité de ton mari, c'est la recherche d'une femme qui te dépasse, d'une femme plus pacifique que toi, d'une femme plus gentille que toi, d'une femme plus collaborante que toi, d'une femme plus respectueuse que toi. Ne dis pas, ah, la polygamie, les hommes sont infidèles. Oui, c'est de leur faute. Et Dieu les condamnera pour cela. Mais Dieu n'oubliera pas ceux qui induisent les autres en erreur, ceux qui le conduisent au péché. Comme je donne ici, il y a des exemples, des hommes, il est fidèle à sa femme, alors sa femme en profite pour se jouer de lui. Alors l'homme se fâche et cherche une deuxième femme. Bon, l'homme a mal agi, il sera jugé par Dieu. Mais la femme aussi a sa part de responsabilité. Amen. Amen. Alors, quand tu conseilles aux femmes, quand tu as un mari, ne te comporte pas de façon à donner raison à ton mari dans ses infidélités. Et ton mari, même en étant infidèle, puisse dire, bon, ça, j'ai péché contre ma femme. Qu'est-ce que je suis venu chercher chez cette femme? Ma femme me donne le respect, ma femme me donne l'amour, ma femme elle est tendre avec moi. Qu'est-ce que je suis venu chercher ici? Oui, là, tu as joué bien ton rôle. Mais si ton mari peut aller chez une autre femme et trouver la paix que toi tu ne lui offres pas, trouver le respect que tu ne lui offres pas, c'est que tu as aussi une part de responsabilité dans son infidélité. Même si son infidélité est une faute, mais le fait pour toi de l'avoir conduit à cela est aussi une faute. Ça, c'est très important pour les mamans. Donc les papas qui sont monogames là, ils ont été sévrés. C'est un sévrage. Le cœur de l'homme est un cœur insatisfait. Il est à la recherche des variétés. Il cherche les variants. C'est ça sa tendance. Alors, quand un homme est monogame, il a déjà été suffisamment sévré. Alors, toi qui es, toi femme, quand tu as cet homme, parce que l'homme, c'est une multiprise. Il a plusieurs entrées, en principe. Alors, toi, quand tu as un homme qui s'attache à toi, il faut donc considérer que cet homme a été sévré. Donc, c'est déjà pour un homme un sacrifice. Alors, vis bien avec lui. Fais en sorte qu'il n'aille pas ailleurs. Fais en sorte qu'il n'aille pas chercher ailleurs. Parce que c'est ça sa tendance. La tendance de l'homme, c'est la polygamie. L'homme est un polygame né. Il y a des mamans ici qui n'ont jamais dit merci à leur mari pour la monogamie. Papa, merci pour la monogamie. Il y a des femmes ici qui n'ont jamais donné une offrande de monogamie. Seigneur, mon mari est monogame, voici l'offrande. Plus profondément, on doit considérer la monogamie comme le sévrage d'un cœur toujours insatisfait et vide de Dieu. L'homme est, sa tendance c'est la polygamie. Alors quand vous avez un mari qui est monogame, il a été sévré par Dieu. Il s'est sévré lui-même. Alors il faut donc l'honorer dans ce qu'il est. Un mari monogame, 20 ans de mariage, tu n'as jamais entendu. Son téléphone est là sur la table. Et tu te fâches contre lui parce qu'il n'a pas payé l'abonnement Canal. Tu te fâches contre lui parce qu'il ne t'a pas payé telle et telle chose. Un mari monogame, c'est un oiseau rare. Salomon le sage avait 1000 femmes. Mais cet homme a
rejeté les 999 femmes qu'il pouvait avoir pour te garder toi seul. Et tu es seul, tu règnes un maître dans son cœur. Et un tel homme, tu te joues de lui. Et un tel homme, tu lui réponds mal. Et un tel homme, à un tel homme, tu manques du respect. Maman, tu ne réfléchis pas bien. Reviens des bons sentiments. Et loue Dieu pour la monogamie de ton mari. Amen. L'unité spirituelle est très importante dans la vie d'un couple pour être bonheur et pour donner le bonheur. Voilà, Salomon épouse des femmes qui ne sont pas de son obédience religieuse. Voilà les problèmes. Épouse une femme, tu es catholique, épouse une catholique. Ou une femme qui est disposée à entrer dans ta foi. Mais une femme qui refuse ta foi. Ah, moi je n'aime pas les catholiques. Oh, ce sont des sorciers. Toi tu forces. Et demain on va se marier. Ça sera un mariage mixte. Toi tu iras dans ton église. Moi j'irai dans mon église. Papa, tu as mal commencé. Alors c'est pourquoi c'est préférable d'épouser une catholique. Parce qu'une sectaire que tu épouses, bon, ça va. Si elle accepte de se convertir. Mais en cas de conflit, elle peut recourir à son Dieu. En cas de problème, tu as épousé une sectaire et vous êtes tous devenus des catholiques. Maintenant, Dieu vous fait traîner. 2 ans, 3 ans, vous n'avez pas d'enfant. Elle peut retourner à ses vieux dieux. Hein? C'est ça le piège de Salomon. Il a épousé des femmes étrangères qui l'ont détourné de son Dieu. Épouse une femme catholique qui connaît la place de la Vierge Marie, qui connaît la place de la Sainte Eucharistie. Ça sera facile pour toi. Plutôt que d'épouser une femme, tu dois commencer à lui donner une catéchèse pour lui expliquer. C'est que la Vierge Marie, c'est que la prière pour les saints. C'est un travail inutile. Alors que les filles sont ici, elles sont nombreuses. Si tu n'en trouves pas ici, il y en a une à Sainte Marie pour toi. Il y en a une à Saint Robert. Il y en a une à Saint Firmin. Dans toutes les paroisses. Si tu échoues ici à Mbujima, va à Kinshasa, au Sacré-Cœur. Tu vas trouver. À Saint-Pierre, tu vas trouver. Va à Lubumbashi, à la cathédrale Saint-Pierre et Paul, tu trouveras. À la paroisse Yesu Mwanom tout, tu vas trouver. Tu peux trouver la paroisse Yesu Mwanom tout. Jésus, fils de l'homme. Et même toi, fille, quand tu épouses un homme qui n'est pas catholique, il va t'amener vers. L'unité spirituelle est très, très importante dans un couple. Trouve ton catholique et épouse-le. Trouve ta catholique et épouse-la. Comme il y avait des reines là, dans les temps. Oh, telle Isabelle la catholique. Voilà. C'était comme ça. Les filles doivent être telle la catholique, Irène la catholique, Muriel la catholique, Aldis la catholique, Hélène la catholique, Blandine la catholique, Christelle la catholique, et puis Roméo le catholique, Jonathan le catholique, Joseph le catholique. Quand tu es catholique, tu vas dire non, moi aussi je cherche une femme catholique, que Dieu me donne une bonne femme catholique. Elle existe. Que Dieu me la fasse rencontrer. La femme vaillante fleurit là où elle est plantée. Elle est d'abord fidèle dans les petites choses. Et voilà pourquoi elle tue Abimelech, le diable, avec un ustensile de cuisine, la meule de moulin. Juge 9, 50 à 55. Une femme qui tient à rester femme et qui fait l'ordinaire de manière extraordinaire est comme Rebecca, qui sut consoler Isaac de la mort de sa mère, Sarah. Genèse 24, 67. Les hommes bien mariés ne sont jamais orphelins de mère, car leur femme remplace valablement leur mère. De la même manière, les femmes bien mariées ne sont jamais orphelines de père, car leurs pères sont valablement remplacés par leurs époux. Alors, une femme vaillante, voilà, elle doit être comme la femme de Tébèche, de cette ville-là, qui a tué Abimelech avec un ustensile de cuisine. La femme n'a pas besoin d'être à la place sur le siège, sur le trône de Salomon. Non! La femme doit rester à sa place et penser que dans ce qu'elle fait comme femme au foyer, elle peut faire triompher son mari. Je ne suis pas contre le travail des femmes, c'est même si elle travaille, qu'elle garde son rôle de femme, bonheur pour son mari, mère pour ses enfants. La femme ne doit pas chercher à être père, à être époux, elle doit être épouse. Les femmes de Salomon ont voulu être des époux. Moi, papa, allons à l'église. Non, c'est l'homme qui doit conduire. C'est l'homme qui est le curé de la famille. C'est l'homme qui est l'évêque de la famille. C'est l'homme qui est le pape de la famille. Et c'est lui qui doit conduire. Mais les femmes de Salomon ont pris la place de l'homme. Elles ont voulu conduire le foyer. Voilà où est-ce qu'on en est arrivé. Et la femme doit être celle qui remplace la mère.
Tous les hommes qui ont perdu leur maman doivent retrouver leur maman dans la personne de leur femme. Il se consola de la mort de sa mère. C'est ça la vocation. Tu es une fille, tu es une femme, tu es épousée. Mon mari est orphelin de mère. C'est moi qui suis devenu sa mère. Et quand tu l'appelles bébé, ça doit être vrai. Et il l'est. Bébé, ton mari l'est. Il doit être ton bébé. Et de la même manière que tu supportes le bébé, hein, parce que les femmes sont très tendres envers leur bébé, hein, les bébés qui sortent de leur ventre, elles sont tendres. Hein. Le bébé peut pleurer, maman va tout faire pour que l'enfant se calme. Mais le bébé, son mari, maman souvent ne s'en occupe pas. Il le méprise. Ah, quitte ici. Tu exagères. Tu es trop capricieux. Alors, si chaque femme considérait vraiment son mari comme son bébé et comme elle étant sa mère, beaucoup de choses s'arrangeraient dans le monde. Vis avec ton mari, le considérant comme tu l'appelles bébé là, ça soit vrai. Considère vraiment le comme ton bébé. Et tu sais, vous savez ce que les mamans font pour les bébés? Ils font caca, les mamans les lavent. Ils font pipi, les mamans supportent. Ils vomissent sur leurs habits, les mamans supportent. C'est mon bébé, je ne vais pas quitter parce qu'il a fait ça. Amen. De la mort de leur mère, de l'absence de leur mère. Amen. Voilà, ça c'est la femme qui perd le roi, qui perd les hommes. La femme qui sauve, c'est dans l'évangile. Cette femme cananéenne, sa fille est attaquée par un démon. Elle apprend que Jésus a des solutions à ses problèmes. Cette femme vient auprès de Jésus. Jésus ne l'écoute pas. Jésus lui répond mal, mais elle persévère. Elle tenait à la guérison, à la délivrance de sa fille. Malgré les mauvaises réponses de Jésus, malgré tous les obstacles qu'elle a rencontrés, elle a persévéré sur le chemin du miracle jusqu'à ce qu'elle a obtenu des miracles. Nous sommes pendant la semaine, nous prions pour la guérison des maladies. Nous voulons des gens qui ont la persévérance de cette femme, qui ne se découragent pas, qui vont jusqu'au bout malgré les obstacles. Jésus peut mal répondre. Nous pouvons parler, Jésus peut s'éteindre, parce que dans un moment, Jésus s'éteint. Et les apôtres disent dans l'évangile de Matthieu, elle nous dérange, Seigneur, résous son problème. Jésus dit non, la nourriture des enfants, je ne peux pas la donner aux petits chiens. Et la femme répond bien à Jésus, qui la traite de petites chiennes. Il dit, même les chiens mangent les miettes qui tombent des tables de leur maître. Cette femme-là fait cette prière. Nous aussi, quand nous venons auprès de Jésus, si nous voulons avoir le cœur de cette femme qui a sauvé sa petite fille, persévérons malgré les mauvaises, le silence de Jésus. Tu peux prier et Jésus ne répond pas. Une année, deux ans, trois ans, quatre ans. Autant d'années, Jésus peut ne pas répondre. Il s'était. Mais ne te fatigue pas. Persévère comme cette femme. Persévère comme cette femme. Elle a persévéré. Et elle a persévéré. Et puis après, Jésus a mal même répondu. Parce que tu peux avoir une mauvaise réponse. Tu viens à la prière, tu es malade. Juste quand tu pries, tu poses les mains. On te donne l'onction. La maladie s'aggrave. C'est la mauvaise réponse de Jésus. Mais ne te décourage pas. Dis, je mangerai même les miettes de ta poubelle. Car ta poubelle est belle. Ta poubelle est belle. Ta poubelle est pour moi comme plus qu'un supermarché. Parce que la poubelle est d'un riche. À la poubelle d'un riche, tu peux trouver un écran, un ordinateur tout neuf. Peut jeter un ordinateur, ça c'est un ancien modèle, je ne l'ai jamais utilisé, il jette, donc les pauvres peuvent se retrouver à la poubelle. Donc cette femme proclame que Jésus, tu es un roi très grand, si grand que même ta poubelle est belle. Je peux me contenter de vivre seulement de ta poubelle, parce que toi étant un grand roi, oh, ta poubelle va faire mon affaire. Ta poubelle est belle. Et ça, c'est une louange qu'elle a adressée au Seigneur. Et cette femme, le texte tient à dire que c'est une Syro, c'est une cananéenne. Elle vient de Cana. C'est-à-dire, elle connaissait son combat. Les cananéennes. Cana, le fils de Cam, qui a été maudit. Donc, elle avait sur elle, elle portait sur elle une malédiction. Et elle a dit, nous les maudites, nous devons prier autrement. Même quand nous rencontrons le silence de Dieu, nous devons persévérer. Même quand Dieu nous répond mal, nous devons persévérer. Parce que l'ignorance du combat t'empêche de bien te battre.
C'est lui qui connaît ses combats. C'est que mon combat est très difficile. Je me bats contre un adversaire de taille. C'est comme si on te disait, j'ai tenu souvent cette image, on te disait, écroule ces murs en une journée. Et tu n'as que une machette. Tu vois un peu? Tu vois un peu l'effort que tu dois mettre. Écrouler ces murs en une journée avec une machette. Il faut que tu cherches d'autres moyens. Alors, maintenant, si on te dit écroule ces murs, on ne t'a pas donné le délai. Tu passeras toute ta vie à l'écrouler. Parce que tu sais qu'il est grand. C'est un chrétien. Il doit savoir que moi, mon combat est différent du combat de tel et de tel. Je ne peux pas lâcher prise. Je ne peux pas abandonner. Je ne sais pas quel type de démon m'attaque. Je ne sais pas ce que les démons cherchent sur mon corps. Mais je me battrai. Cette femme était cananéenne. Elle avait la malédiction des cananéennes. Elle a dit, mais moi, étant maudite, je dois prier autrement. Je dois prier autrement. Amen. Je dois prier autrement. Je dois prier autrement. Nous avons des combats différents. Alors chacun doit prier autrement. Suivant son combat. Ici, bas. On abat celui qui ignore ses combats. Tu ignores tes combats, on va t'abattre. Mais si tu connais le combat, derrière toi, déjà le fait qu'ils savent que tu connais tes combats, ils te craignent. C'est déjà une grande partie de la victoire dans le monde spirituel. Mais quand tu ne sais pas que tu es combattu, quand tu ne connais pas tes combats, tu as déjà perdu. Cette femme connaissait ses combats. Moi, je suis de tel endroit. Je suis une païenne. Ici, on dit syro-phénicienne. Dans notre texte, on dit cananéenne. Alors, il dit, si je suis cananéenne, donc je connais les malédictions de chez moi. Alors, je dois me battre. Il y a des gens ici, des alliances dans le monde des ténèbres. Tes parents, tes arrière-grands-parents ont conclu un pacte avec les démons. Et ce pacte te concerne. Mais c'est en restant en Christ que tu vas vaincre. Mais pas en dehors du Christ. Tu dois te battre. Malgré les obstacles, tu dois avancer. Malgré le silence de Dieu, tu dois aller de l'avant. Voilà une femme qui sauve. Ici, nous en profitons pour parler des femmes. Regardez dans cette prière. Les personnes qui sont les plus engagées, ce sont les femmes. Et les femmes que vous voyez ici à la prière ne viennent pas seulement pour elles-mêmes. Hein, et ne prient pas beaucoup pour elles-mêmes. Hein. Si vous voyez une femme qui prie beaucoup, vous trouverez qu'elle prie pour son mari et elle prie pour ses enfants. Nos mamans, nos vieilles mamans, ne prient plus pour elles-mêmes. Elles prient pour nous. Elles sont à genoux pour nous. Elles jeûnent pour nous. Elles se sont imposées autant de sacrifices pour nous faire du bien. Et aujourd'hui, peut-être, elles n'en profitent pas comme les autres. Il y a toujours quelque part quelqu'un qui va prendre la part des mamans, la part des papas, la part des mamans qui a souffert, qui t'a porté 9 mois dans le ventre, qui a souffert, qui a vendu ses pagnes pour que toi tu puisses étudier, pour que tu puisses payer tes frais académiques. C'est elle qui s'est sacrifiée pour toi. Et parfois, quand tu termines des études, c'est elle, la cadette de tes soucis. Tu ne penses plus à elle. Et elle est calme. Elle ne fait que prier pour toi. Elle est convaincue que tu n'as pas d'argent. Alors que tu as de l'argent que tu donnes à d'autres. Que tu lui prives à elle, mais tu donnes à d'autres. Et elle est à genoux. Elle prie pour toi. Mon enfant, bénis mon enfant, bénis mon enfant, bénis mon enfant. Comme cette histoire que je vous ai racontée d'une femme. Un garçon est allé chercher des fétiches. On lui a dit, amène la tête de ta maman. Elle est allée voir sa mère. Elle a coupé la tête. Elle a mis la tête dans un sachet. Il était en moto. Il a mis la tête dans un sachet. Il était en moto. Quand il part avec la moto, il tombe. Il connaît un accident en cours de route. La tête roule, va de ce côté-là. Mais comme il y a toujours une petite vie qui reste dans la tête, et il entend la tête s'inquiéter de lui, ou s'inquiéter à son sujet, et dire, mon fils, tu ne t'es pas fait mal. La tête coupée d'une femme se préoccupe encore de la santé de celui qui l'a décapité. Et des mamans à la maison, quand tu rentres là, maintenant là, cueille une fleur et donne à ta mère. Viens avec maman, prends un peu la fleur ici. Aujourd'hui, on nous a fait réfléchir sur vos sacrifices pour nous. Prends un peu cette fleur, je n'ai pas grand chose à te donner, mais ce matin je te donne seulement cette fleur pour te dire merci pour tout ce que tu as fait. Tu t'es imposé comme sacrifice pour moi. Et il y en a qui ont encore la chance d'avoir leur maman vivante. Il y en a qui ne savent à qui donner une telle fleur. Mais toi tu as encore une maman en vie. Fais-lui du bien.
La femme qui sauve. La femme qui sauve ta mère, c'est la femme qui sauve. Et Dieu a utilisé les femmes dans l'histoire de l'humanité. Dieu a utilisé Esther. Dieu a utilisé la femme de Tébèche. Dieu a utilisé Judith. Nous sommes en train de le voir. Dieu a utilisé Marie. Quand vint la plénitude du temps, Dieu envoya son fils né d'une femme. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est fort, afin qu'aucune chair n'aille se glorifier. Beaucoup rejettent les femmes, même Marie, à cause de ça. Ah, les femmes sont faibles. Comment Dieu peut-il les choisir? Il les a choisies. Il les a choisies. Amen. Donc même les hommes ici, il y a des femmes qui les sauvent. Si papa, tu ne t'étais pas marié à cette femme-là, peut-être que tu te serais perdu. C'est cette femme-là qui te sauve. Hein? Parce qu'elle est ce qu'elle est. Elle te sauve. Dans beaucoup de domaines. C'est peut-être elle qui se bat le plus et puis vous mangez. C'est peut-être elle qui a une ombre puissante. Tant que tu es avec elle, tu seras heureux. Mais le jour où tu te sépareras d'elle, tu auras des problèmes. Elle a une ombre puissante que peut-être tu méprises. Le jour où tu te sépareras d'elle, tu te rendras compte que j'étais en vie, je prospérais dans ma vie grâce à l'ombre de ma femme. Mais tu ne sais pas. Peut-être c'est parce que tu es avec elle et qu'elle fait ce que tu fais là, que tu n'as pas, ce qu'elle fait là, que tu n'as pas envie d'aller chercher une autre. C'est grâce à elle que aussi tu es resté monogame. Si elle n'était pas la femme qu'elle est maintenant, peut-être tu serais déjà polygame. Donc, si l'homme, la femme doit remercier l'homme pour sa monogamie, l'homme aussi doit remercier sa femme qui l'a aidé, si jamais il l'a fait, qui l'a aidé à rester monogame. La femme lui a donné les dégoûts des autres femmes. Et il est là, il est heureux avec sa femme. On a des techniques pour être infidèle. Amen. Hein? L'homme prudent voit le mal de loin. J'ai terminé par là avec deux exemples. La femme de Lot, Lot et sa femme, et Job et sa femme. Là, je prends seulement que, oui, c'est vrai que la femme peut induire l'homme en erreur. Mais Adam s'est laissé induire en erreur. Salomon s'est laissé l'induire en erreur. Mais Job n'a pas laissé sa femme l'induire en erreur. Lot non plus. La femme de Lot a regardé derrière. Elle s'est transformée en colonne de sel. Mais Lot n'a pas regardé derrière. Malgré la séduction des femmes, il y a moyen de ne pas regarder derrière. Il y a moyen de résister. Oui, les femmes sont méchantes. Oui, les femmes perdent les rois. Mais toi, tu peux leur résister. L'autre, sa femme, n'a pas compris. Nous sortons de Sodome et Gomorre. Dieu a dit, ne regardons pas derrière. La femme a regardé derrière. L'autre n'a pas regardé derrière. Sois comme l'autre. Devant toutes les femmes méchantes que tu rencontres. Et le cœur de l'autre. Oh, les femmes sont comme ça. Mais Job a résisté à sa femme. Sa femme a voulu les séduire, l'induire en erreur. Maudit Dieu et meurt. Lui a dit, je ne maudis pas. Des dieux, nous accueillons le bonheur, accueillons aussi les malheurs. Dans toute sa souffrance, Job n'a pas parlé mal de Dieu, n'a pas parlé mal à Dieu, quoique sa femme l'y conduisait. Donc il y a possibilité de résister aux femmes méchantes. Ne dit pas, ah non, le monde ici, ce sont les femmes. Joseph, n'en parlons pas. Il y a une femme qui lui a fait des avances. Joseph a résisté. Donc, il y a moyen. Si la Bible donne ces exemples, elle veut nous dire, oui, les femmes méchantes existent, les femmes séductrices existent, mais vous pouvez leur résister. Ne trompez pas. Oh, les femmes, c'est parce qu'elles s'habillent mal, c'est pourquoi nous tombons. Non, il y a dans les mêmes circonstances des hommes aussi qui voient des femmes qui s'habillent mal, mais qui ne tombent pas. Oh, les femmes nous séduisent, ils nous font des SMS langoureux, amoureux. C'est pourquoi nous tombons. Il y a aussi des hommes dans les mêmes cas. Quand on lui a fait un tel SMS, il l'a montré à sa femme. Ils ne sont pas tombés. Donc s'il y a un seul homme comme Lot, comme Job, comme Joseph, qui ne sont pas tombés devant la séduction des femmes, devant la méchanceté des femmes, tu peux aussi résister aux femmes. Homme prudent, l'homme prudent voit le mal de loin. Couteau à double tranchant, les femmes le sont, les hommes également. Mais Dieu nous dit, ayons en tout le discernement, afin que nous ne soyons pas induits en erreur. Alors le discernement nous permet de voir quoi? Oui, au milieu des femmes qui perdent les hommes, il y a des femmes qui sauvent. Que Dieu te donne la femme qui sauve.
Que Dieu enlève de ton chemin les femmes qui perdent les rois. Elles existent. Mais il existe aussi des femmes qui sauvent. Que Dieu mette sur ton chemin des femmes qui sauvent, qu'il éloigne de ton chemin les femmes qui perdent. Qu'il mette sur ton chemin une femme comme Scolastique, sainte Scolastique que nous avons fêtée aujourd'hui, une femme comme cette Syrophénicienne, comme cette Cananéenne qui a prié pour sa fille, qui a affronté tous les obstacles sur le chemin de son miracle. Même pour toi, femme, parce que j'ai dit au début que l'homme aussi est un couteau à double tranchant. Que Dieu enlève sur ton chemin les hommes qui perdent, les reines. Que Dieu enlève sur ton chemin les hommes qui perdent, les reines. Que Dieu mette sur ton chemin des hommes qui sauvent. Ils existent. Que ton expérience passée, parce que tu as toujours rencontré des hommes qui perdent les rênes, parce que tu as déjà rencontré, tu as toujours rencontré des femmes qui perdent les rois, comme ça, tu n'as plus la capacité de voir les femmes qui sauvent les rois, les hommes qui sauvent les rênes. Ils existent, elles existent. Discernement. Discernement. C'est par le discernement que nous anéantirons le plan de Satan. Que Dieu vous bénisse. Nous nous mettons debout. Nous prions. Première requête. Que la femme, ma mère, ma sœur, ma femme, soit le bonheur de l'humanité. Que les familles soient préservées du divorce, de la polygamie, de l'infidélité. Que je sache persévérer humblement dans la prière, malgré ton silence et tes mauvaises réponses. Donne-moi un cœur de mère pour les autres, un cœur d'enfant pour Dieu et un cœur de juge pour moi-même. Donnez-moi le discernement face à la méchanceté des femmes qui perdent et donnez-moi d'être reconnaissant envers la bonté des femmes qui sauvent. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.